Il y a des urbex où on n'a rien préparé, où on n'a aucune information. Mais lorsque l'on visite, on a un drôle de ressenti, de drôles de sensations. Et puis, il y a des découvertes à laquelle on ne s'attend pas. Une corde. Alors l'esprit s'imagine plein de choses. L'esprit amplifie ce ressenti, amplifie ses émotions. Voilà un endroit un peu mystérieux, hein, puisqu'on n'a rien du tout comme information sur ce domaine, hein, mais vraiment rien. Ah ouais, c'est vraiment le why. Ah, c'est du bordel. Allez, on va faire ce que je pense le bâtiment principal. Parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a beaucoup de locaux vraiment délabrés qui servent d'entrepôt. Apparemment, on peut rentrer ici, c'est ouvert. Ah, ça m'a l'air plus intéressant. Ah oui, on voit vraiment que c'est abandonné. Hein. Ah ouais, pas mal. Ah oui, là, sympa. Ah, il y a même de la vaisselle. Là, nous sommes dans le locovie avec la cheminée. Ah oui, là, la cuisine avec le four encore. Hein. Local technique. Hein. Ouais, une salle de bain hein, avec l'évier. Oh là c'est une pièce complètement délabrée, hein. Le plafond est en train de céder. Ah oui, c'est des meubles lits. Voilà. Vraiment un lieu particulier, hein. Comme je vous dis, j'ai vraiment aucune information de ce domaine. Hein. Qui vivait? Pourquoi ça a été abandonné? Qu'est-ce qui s'y est passé? Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions que je me pose. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Voilà, en tout cas, l'état du domaine est vraiment sérieusement détérioré. Voilà encore une pièce, hein, pour aller vide. Hein. Ah, c'est... Ah, une douche... Allez, bac. Ah,
Nous voici à l'étage. Avec quand même des pièces pratiquement vides. Hein. Voilà, ici une pièce où il y a qui sert de dépôt. On y trouve vraiment de tout. Une jarre, un frigo, écran, un vieux ordinateur IBM, des restes de carrelage. Il y a vraiment de tout. Un UC d'ordinateur, huile d'arachide. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Regardez cette machine particulière. Voilà, des magnétoscopes. Il y a vraiment de tout. Comme si cette famille qui avait des enfants préparait un déménagement. Puisqu'on voit des cartons avec marqué pyjama ici. Voilà. Comme si il devait y avoir un déménagement, mais qu'en fait tout n'a pas été récupéré. Et tout a dit ici. La poussette. Ouais. Voilà, déménagement SATA. Un particulier. Ambiance bizarre ici. Allez, ce piano, hein. Bon, très fatigué, hein. Par contre, il y a une attention qui m'attriste un peu. Hein. Cette corde, hein, une corde de pendu. Voilà, j'espère qu'il ne s'est pas passé un drame ici. Mais elle est vraiment inquiétante, cette corde telle qu'elle est. Ah, un mystère de plus dans ce lieu. Voilà, je vous le dis, hein. Je le répète, vraiment elle est bizarre l'ambiance ici. Hein. Pourtant je fais pas mal d'urbex. Mais je sens une drôle d'atmosphère, hein, et encore plus en ayant vu cette corde de pendu. Vraiment bizarre. Voilà, donc là on est dans une espèce de dépendance. Avec des toilettes et une cuisinette. Et là, un hangar. Voilà, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein, et ce vent, avec ce bruit dans ces locaux, eh bien, je vous le dis, hein, rend une atmosphère vraiment bizarre. We'll be right back.
fixer, on va dire, de dépotoir. Hein. Incroyable, incroyable. Et là-bas, regardez, cette caravane, hein, avec la petite cheminée. C'est marrant, c'est vraiment un drôle d'endroit. Voilà, je vous confirme, hein, ce lieu est vraiment bizarre, et l'énergie et la sensation, eh bien, mais bizarre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des mauvaises ondes ici, et comme l'impression qu'il s'est passé quelque chose de pas beau, de pas bien. Dépendance avec une cuisine aussi. Ah, c'est vraiment un lieu quand même qui est assez glauque, hein. Voilà, c'est bizarre, j'ai rarement eu cette sensation lors d'un urbex, ici je l'ai. Alors peut-être que c'est une interprétation, mais c'est vraiment bizarre. Voilà, il y a de drôles d'énergie ici. Regardez, hein. Ici pour un jar de four, hein, four à pizza. Et puis il y avait la piscine hors sol, hein, ici. Donc vous voyez quand même, la vie a dû être belle ici, hein. Même si ça dégage pas mal d'ondes bizarres. Mais j'imagine quand même, bien entretenu. Donc vous voyez le four à pizza. Ici le liner de la piscine. Hein. Et puis on voit même juste à côté, hein, eh bien une balançoire. Hein. Voilà, il devait y avoir quand même de la vie. Hein. Et puis voilà, la vie s'est arrêtée. En tout cas ici dans ce lieu, laissé à l'abandon.